Allez, Fifi, tu vas. Coucher, Fifi, je te les emmène. Fifi, coucher, je te les emmène. Alors, j'aurais pu te les faire dans l'ordre. Bon, allez, voilà. Là, c'est la rousse et blanche. Si je me rappelle bien. La cinquième, la sixième, je sais plus. Alors, je vais essayer de reprendre dans l'ordre. Non, je vais pas reprendre dans l'ordre. Allez, viens ici, Inouchka. Inouchka, ouais, Inouchka. Comme tu voudras, comme il voudra. Voici Inouchka. Jolie Fifi, bringée, manteau bringé, fauve et blanc. Bon, on va continuer dans les fifilles. Hop, ça c'est une autre fifille dehors, c'est Eden, qui fait idiote. Il faudrait venir. Hop, une fifille. Voilà. Tache fauve, bringé, et beaucoup de blanc. T'as vu, c'est le beau coussin, ma Faïza. C'est le coussin de vélo. Hop, allez, dernière fifille. Après les garçons, on n'est pas pressé pour les garçons. Hop, ça c'est une fifille, dis donc. Wow. Tiens, bon. Attends, je vais faire du sport. Hein. Tiens, fais du sport. Tiens, bien. Hop. Donc voici, là, maintenant je vais ramener le premier garçon né. Qui me fait beaucoup penser à Grégoire l'an dernier. C'est le plus clair, il sera quasiment blanc. Hop. Donc lui, il était sable, quasiment tout blanc. Et là maintenant, on a Mister Fauve, bringé et blanc. En manteau. Là, hop. On a celui qui était le plus costaud à la naissance, sable bringé gris en manteau, c'est le mâle. 630 grammes à la naissance. Hop là, Mister Blanc bébé, viens nous voir. Oh là là, Thibaut, toi. Voilà. Et c'était Javidoff. Tacheté, presque manteau, fauve bringé et blanc. Alors, qui c'est qui est super costaud qui a pas besoin de manger là? Hein, vous laissez manger les autres un peu plus loin. Il est bien ce canapé là. Dis donc. C'est nouveau canapé. C'est là où ça fait bon. Ah, c'est bien. Et dehors, on a fait un nouveau portail pour partir en balade. Ils sont tout beaux. Bon, voilà. Et j'avais oublié d'éclairer. Ça, c'est dommage. C'est mieux avec l'éclairage. Bon, on laisse rentrer les deux dans le coup, ma chère Faïza. J'aime bien te couper les deux. Viens les voir. Viens sur toi, Emilia. J'aime bien toutes les vidéos. Ça va, hein, Fifi? Donne, viens ici. Faisa, elle veut bien. Ouh, tu fais un truc. Hein. Bon, là, tu vois, elle veut plus trop. Allez, et donne, demi-tour, tu files. Allez, hop. On fait pas, on me dérange pas plus. Et donne dehors.
contre, vu comme il fait chaud, ma grande, soit je te coupe le radiateur, soit je te coupe la lampe à infrarouge. Elle devrait suffire, non? Hop, on va se la mettre comme ça. Et sinon, c'est à toi de te déplacer, ma grande dame, pour avoir un peu moins la lampe sur toi. Hop. Voilà, comme ça sera un peu moins chaud. Chaud tout ça, dis donc. C'est presque, il n'y a plus besoin de chauffage, on dirait. Bon, Fefe, dès qu'il fait trop chaud, il faut savoir te retirer. Hein. Parce que là, avec la lampe comme ça, je te dis pas, maintenant ça a chauffé. Avant, on a un peu galéré. On a tout fait chauffer toute la maison, c'était plus simple. Et maintenant, on a retrouvé la lampe à Jean-René Vanier. L'élevage à Zaftab-Faisabad. Et c'est aussi la caisse à mise là, d'élevage à Zaftab-Faisabad. Mais bon, c'est sa dernière année là, l'an prochain. On va en faire une autre. Elle aura dû faire 40 ans, cette caisse à mise là. Bon, si je peux te baisser le chauffage, je te baisse un peu. Hein. Tiens, qui c'est qui fait le sprint? C'est devant. Moi, je suis pas sympa. Hein. J'aurais dû la mettre plus près. Hein. Regarde comment on va faire. On va faire comme ça. Ouais. On y est là. Ouais, c'est entre les cuisses qu'on voulait aller. Ça va, ma féfé? C'est 8 superbes bébés que tu me fais là.